Bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle soirée au cinéma de Verdure de notre 39e rencontre cinéma de Jindou. Bienvenue pour une soirée un petit peu particulière, un petit peu différente pour nous, puisque ce soir, on va démarrer avec une séance de court-métrage. Et ceci pour fêter les 10 ans de ce que nous appelons la ruche, la résidence d'écriture de scénarios de court-métrage que nous avons mise en place en 2013. En réalité, c'est la 11e édition. En 2023. Pour rappel, puisque on l'a déjà souvent évoqué durant ces rencontres, c'est un dispositif d'accompagnement dédié à des autrices auteurs qu'on qualifiera d'autodidactes, qui ont appris par eux-mêmes, par elles-mêmes, qui ont beaucoup de choses à dire, qui poussent dans les marges et qui ont besoin à un moment de leur parcours, d'un accompagnement pour pouvoir aller plus loin. Et voilà, c'est ce qu'on a développé avec La Ruche. Chaque année, c'est un appel national et on accompagne 8 autrices, 8 auteurs chaque année avec un parcours d'écriture qui commence à Jindou. Donc là, en ce moment, on a la promo 2023 qui est là depuis vendredi soir et qui a commencé donc à travailler sur leur projet respectif. Ça se poursuivra au mois d'octobre, à Bordeaux, on fera étape dans un autre festival qui s'appelle le FIFIB. Ensuite, au mois de novembre, au moment d'un autre festival, festival de court-métrage de Villeurbanne, donc à Lyon-Villeurbanne. Et puis, ce cycle se termine au mois de janvier par des rencontres avec des productions, dans l'espoir, bien entendu, que ces projets de films puissent voir le jour. Et pour que ça soit possible, eh bien, il faut effectivement que les uns et les autres trouvent productrices et producteurs pour continuer l'aventure. Voilà ce qu'est La Ruche. Ça fait 11 éditions, donc on a à peu près accompagné quasiment une centaine d'auteurs depuis cette date-là. Pour vous donner une idée, cette année, nous avions 200 candidatures qui sont venues d'un petit peu partout. Donc, voilà. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec des partenaires. Il y a le Centre National du Cinéma qui nous soutient. Il y a ce qui s'appelle l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, qui dépend du ministère de la Ville, qui nous soutient également depuis nos débuts, la région Occitanie. Nous avons aussi la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, et également l'agence ALCA Nouvelle-Aquitaine, qui nous accueille pour la résidence qu'on fait au mois d'octobre quand on fait étape là-bas. Et puis, il y a des partenaires artistiques et logistiques. J'ai cité les festivals pendant lesquels nous faisons ces résidences, parce que ce qui est important aussi dans ce travail d'écriture, c'est de pouvoir rencontrer ses pairs, rencontrer d'autres, des réalisatrices, des réalisateurs, se constituer aussi un premier réseau pour pouvoir avancer dans ce long parcours. Et puis à Lyon, on est reçu désormais par l'école de la Cinéfabrique, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, j'avais envie de faire une petite photo de famille. Alors, je voudrais appeler d'abord les acteurs de ce programme. Il y en a, alors peut-être, je ne sais pas si Philippe Etienne, Carole Garapi, Tommy Baron, je ne sais pas si qui font partie de l'équipe de Jindou. Et qui, voilà. Philippe, tu vas parler. On a monté ce programme avec Philippe en 2013. Carole, tu étais déjà de la partie et puis tu as suivi, coordonné cette résidence pendant plusieurs années. Et c'est Tommy qui a pris la suite cette année. Voilà, donc une partie, parce qu'ensuite, il y a toute l'équipe de Jindou, bien entendu. Mais voilà, merci. Merci à vous. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous ai dit, ils sont 8 autrices, 8 auteurs. Et le travail qu'on leur propose, c'est vraiment un travail de suivi individuel, de tutorat, donc avec des professionnels expérimentés, eux-mêmes auteurs, réalisateurs. Alors, je vais demander à Dania Raymond Bouguenou et Mathieu Robin peut-être de nous rejoindre. Puisque c'est le binôme désormais donc, qui encadre ce travail d'écriture.
Et j'ai une grosse pensée pour celles et ceux qui les ont précédés, Emmanuel Laborie, Sandrine Poget et Virginie Leger, que vous avez croisés pendant des années ici, et qui n'ont pas pu être là ce soir, mais qui ont beaucoup, beaucoup œuvré pour la réussite de ce programme. Et puis, voilà, il y a les abeilles, ça s'appelle La Ruche. C'est une famille qui s'agrandit un peu chaque année. Alors, j'ai d'abord demandé à la promo 2023 de nous rejoindre. Voilà. Et qui viennent d'un petit peu toutes les régions de France. Donc, ils y sont. Dans des conditions, vous le savez, c'est pour nous tous, mais le travail d'écriture est un travail de longue haleine, mais harassant. Avec les conditions que nous avons cette semaine, je sais que ce n'est pas facile, mais je crois que ça se passe bien. Et vu Mobine, j'en suis rassuré. Et puis, alors, ce qui est super, c'est que, on a dans ce cercle et dans cette famille, j'ose le dire, les amis, les autres abeilles qui sont venus au festival, qui n'ont pas forcément des films à nous montrer, mais qui sont là. Je pense à Arnaud, je pense à Karim. Allez, venez nous rejoindre. Il y a Sophie, il y a Charles. Voilà. J'en oublie peut-être, non ? Alors, ils n'ont pas encore leur film. Mais ce qui est super, c'est qu'ils viennent nous rendre visite, et ça fait un cercle de solidarité aussi qui s'agrandit. Madani aussi, Madani qui a fait La Ruche en 2013, voilà. qui faisait partie de la première promo, voilà. Et puis il y a maintenant les réalisatrices et réalisateurs qui, eux, vont avoir des films à présenter. Il y a Ashraf Ajraoui qui va présenter son film samedi. Alors, je sais qu'il y a Audrey Jean-Baptiste, mais je ne la vois pas, là, je ne l'aperçois pas. Elle est par là. Ashraf présentera son film samedi après-midi, La Sirène se marie. Et puis, Audrey Jean-Baptiste, Stella Nova, ce sera pour demain après-midi. Et puis, voilà, je vais demander maintenant si j'oublie personne, alors Noémie, Camille, qui sont, Noémie Benayoun d'Alca, Nouvelle-Aquitaine, que j'ai cité tout à l'heure, Camille, je crois que je vous aperçois aussi, de la NCT, vous pouvez nous rejoindre. Merci pour votre soutien. Et puis maintenant, place aux artistes de la soirée. On va découvrir 5 courts-métrages. Alors venez nous rejoindre. Camille, Séverine, Marie, Vibirson et Maïmouna, qui doit être par là également. Alors venez par contre. Rejoignez-moi là, au centre. Voilà. Alors on va commencer par, peut-être par Camille, puisque le programme terminera par ton film Maison Blanche. Tu as fait La Ruche en 2018. Tu nous en dis un petit mot ? Ce que tu veux. Non, mais c'est vraiment grâce à La Ruche que j'ai pu réaliser ce film. Et donc, je suis très émue de vous le présenter ce soir. Voilà. Ah oui, je parle plus fort, pardon. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu. Je dois beaucoup à La Ruche. Et Maison Blanche, c'est un film que j'ai développé là-bas. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Et Séverine Cagnac, qui était à côté de moi et qui a fait La Ruche en 2014, Là où vivaient les arbres maintenant, c'est le film que tu vas nous présenter. Donc, ce sera en quatrième position. Séverine. Merci beaucoup déjà pour l'invitation.
Bah oui, du coup, donc 2014, bah vous voyez, on est presque 10 ans après. Le projet a vécu quelques transformations, puisqu'à la base, c'était une fiction, c'est devenu un documentaire. Il a été longtemps en dormance, mais finalement, quand un sujet est bien vibrant et qu'il nous tient à cœur, il trouve toujours une façon de se faufiler quelque part. Donc voilà, voilà. Et oui, et tourner dans le Lot aussi, du coup. Si jamais après ces projections-là, enfin voilà, si vous voulez monter et qu'on boive des coups, parlons-nous, échangeons tout ça. J'adore discuter, donc discutons si vous le souhaitez. C'est ça, hein, ouais, Marie Rosley Ruiz, tu as fait aussi La Ruche la même année 2014, et donc tu vas nous présenter L'Otard 1999 ce soir. Oui, alors je suis trop contente de montrer le film ici parce que vous êtes nombreux déjà et que sans La Ruche, je ne ferais pas de film aujourd'hui, je pense. Donc c'est hyper précieux et trop important pour nous ce programme et cet accompagnement. Donc merci à Jindou Cinéma et puis tous les autres gens qui participent à ça. Evie Birson, Nana Tipan. Ah ben tu vas dire ce que tu veux. Pour le projet Anouchan, qu'on verra en deuxième dans cette soirée. Bonsoir à tous. Je suis désolé, je suis un peu timide. Pareil, je suis arrivé à La Ruche il y a 5 ans avec une histoire, une idée, de la même façon timide, pas sûr de soi de raconter cette histoire, mais ici il y avait des gens extrêmement bienveillante, à commencer par Sébastien Lasserre, que je remercie très sincèrement. Merci beaucoup, Sébastien. Et voilà, je suis hyper fier et très honoré de présenter ce film là où j'ai commencé à écrire il y a 5 ans. Merci. Merci. Et tous ces films ont comme point commun, donc vous l'avez compris, d'avoir été travaillés à La Ruche. Et il y en a un que vous connaissez, que vous avez déjà vu, mais voilà, qu'on voulait vous remontrer ce soir pour le succès qu'il a connu. Maïmouna Doucouré, pour le film Maman, que tu as commencé à écrire à La Ruche en 2013. Merci d'être avec nous. J'arrive pas à y croire. 10 ans, c'est incroyable. Je suis vraiment très, très heureuse. C'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je viens présenter, vous représenter Maman ici, à Jindou. Vraiment, merci. Ce festival est tellement incroyable que c'est très enthousiasmant pour moi d'être présente de nouveau. J'ai envie de dire que tout a commencé ici pour moi, vraiment, à Jindou, avec l'écriture de Maman, dans le cadre de La Ruche, ou presque commencé. Ça a commencé un petit peu avant. J'ai fait une rencontre incroyable. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Zangro, qui d'ailleurs est le producteur donc, de Maman et du film Anouchan, que vous allez découvrir également. Et je me souviens qu'en discutant avec lui, je réfléchissais à des idées comme ça, de films, qu'est-ce que je pouvais raconter, parce que je débutais dans le monde du cinéma. Et je lui ai dit, écoute, moi, enfin, en tout cas, dans ma vie, il n'y a rien de spécialement intéressant à raconter. J'ai 10 frères et sœurs, j'ai 2 mamans. Et là, il me regarde et me dit, est-ce que tu es vraiment sûre qu'il n'y a rien d'intéressant à raconter dans ta vie? Et là, l'écriture a commencé ici, à La Ruche, et ensuite la surprise de ce film avec 200 festivals à travers le monde jusqu'au César en 2017. Donc je suis vraiment heureuse d'être là. Zangro est là, donc il nous filme. Donc voilà, donc très très heureuse vraiment de revenir. On s'est donné rendez-vous dans 10 ans, on est là et heureuse de vous représenter le film ce soir. Et ce qui est important, c'est le formidable à la fois exemple et encouragement que tu donnes, je dirais, à tous les autres, parce que depuis lors, tu as fait le Mignonne, un long métrage, notre long métrage, Awa, et puis il y en a un autre en préparation. Et moi, ce que je redis toujours, ce qu'on souhaite avant tout, c'est que chacun d'entre vous trouviez votre voie, voilà, dans le cinéma. Séverine, tu en as fait un documentaire, c'est pas une fiction. Voilà, chacun a son rythme dans un métier où il faut avoir énormément d'endurance, où il faut être assez costaud aussi dans la tête, trouver son mode opératoire pour avancer dans ce monde à la fois très stimulant mais pas toujours très tendre.
Merci Maïmouna pour l'exemple que tu donnes. Et puis merci à vous tous, parce que nous, ça nous porte aussi. Hein, en tant que festival, quand on vous voit revenir avec vos films, ben, on se dit que tout ça a du sens. Et on en a besoin. Voilà, merci pour vos films. Je veux dire un dernier mot. Vas-y. Juste pour dire qu'on va se revoir, parce qu'on va probablement venir tourner pas loin d'ici, en Dordogne, car mon prochain film va être le biopic de Joséphine Baker. Et comme elle a vécu ici avec ses 12 enfants, on va revenir avec des camions, des caméras, tout ce qu'il faut. Voilà, et ben avec plaisir. Et dernière chose, et après, on vous laisse avec les films. Demain après-midi, on vous propose un échange, une chat à partir de 16h sur effectivement ce qui a présidé à ce dispositif, sur des questions d'accès au cinéma, de ce qu'on appelle l'émergence, la diversité, c'est-à-dire un cinéma qui laisse toute sa part à sa diversité, à la diversité de la société. Et on va discuter tout ça. Ce sera animé par Marie, qui fait partie de la Société des réalisatrices et réalisateurs français. Et on fera cette table ronde là demain après-midi à partir de 16h à l'Arsenic. Voilà, on a fini. Bonne Merci. Séance à toutes et tous. Bonne projection.